Il s'agit de révérend Henri Choisy. Et nous allons applaudir en grand, et c'est un grand petit applaudissement pour Henri Choisy. Nous allons lancer pour la gloire de Dieu et pour la suite du programme.
Cette lourde tâche. Nous devons aussi bien
que tous les pasteurs, tous les membres des églises respectives de Philadelphia puissent se rallier autour de lui pour le supporter dans cette tâche. Et bénis, Seigneur, le pasteur choisi et que tu as choisi pour porter à votre fin la tâche du clergé maintenant. Et c'est l'heure pour lui de passer le bâton au pasteur Michel. Nous te remercions de la sagesse dont tu l'as doté pour porter, pour mener à bon fin cette tâche. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, d'être avec tous les pasteurs ici présents et qui prennent le ferme propos de supporter et d'encadrer ce serviteur-là. Nous savons à coup sûr que tu seras toujours avec lui, Seigneur, parce qu'il ne peut rien par lui-même. Bénis-le, bénis sa famille et donne-lui la sagesse que tu avais donnée à Salomon pour administrer le royaume d'Israël. Et donne-lui, Seigneur, la présence de ton esprit dans tout ce qu'il fait. Et bénis aussi bien tous les pasteurs qui travaillent avec lui. Permet que nous soyons sincères avec lui, que nous puissions toujours et à ses côtés pour lui donner les conseils salutaires dont il aura besoin pour cette lourde tâche qu'il va mener. Nous te remercions de ce service, ce beau service, et durant lequel tu as manifesté ta présence. Et que Seigneur, en cet instant, ton esprit prenne la direction de tout et que la tâche qu'il va mener, c'est-à-dire le pasteur Josias, ne se fasse pas par lui-même, mais que ton esprit lui donne l'inspiration nécessaire après laquelle il soupire pour continuer à travailler d'arrache-pied dans la vigne du Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous t'en prions au nom de Jésus, Dieu le Sauveur. Amen. Vanessa. Seigneur, je prie pour le vice-président et le président. Seigneur, je transmets par le pouvoir de cet esprit la charge que tu nous avais incombée, Seigneur. Nous la mettons sur les épaules de notre bien-aimé Père, pasteur Michel Josias. Que tu l'aides, Seigneur, dans l'exercice de ses fonctions. Qu'il soit prompt, Seigneur, quand on l'appelle. Et qu'il retourne, Seigneur, à la maison avec cet esprit de bénédiction. Et que tu bénisses aussi, Seigneur, son vice-président, M. Wilner Chang. Amen. Que ta grâce aussi, Seigneur, soit sur cet homme. Mm-hmm. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, bénisse ces deux hommes. Mm-hmm. Afin qu'ils travaillent ensemble, Seigneur. Mm-hmm. Yes, Lord. Ne le permets pas, Seigneur, que le président décide quelque chose. Ne le permets pas qu'il décide par eux-mêmes. Mais qu'ils viennent, Seigneur, partager ce qu'ils décident avec, Seigneur, les pasteurs. Et que tout soit fait dans le respect du Saint-Esprit. Bénis le Seigneur. Accorde la puissance. Et aussi accorde le Seigneur le pouvoir d'exercer leurs fonctions. Mm-hmm. Comme tu avais mis sur la sagesse dans le cœur de Salomon. Donne de la sagesse à notre bénéfice, pasteur Michel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Pasteur Billy Abba, bénédiction pour pasteur avec toute force et pasteur Wilner. Éternel, que ta main visible, alléluia, qui a organisé, formulé, dirigé cette organisation depuis plus de 10 ans à travers les deux premiers présidents, continue à œuvre sur le nouveau président, pasteur Michel Josias, ses collaborateurs, particulièrement le vice-président, pasteur Wilner Charles. Que ta grâce, que ton amour leur accompagne jusqu'à la fin de leur terme. Que tout le peuple dit. Amen. On va donc au bravo pour pasteur. Président de l'association du président, le président
volonté du clergé et du peuple haïtien qui vit dans la ville de Philadelphie. Master Michel, ma bon, tu sais que là, ma passe au pouvoir, mais nous n'y sommes pas. Vous pouvez vous faire un peu de temps. À mon prédécesseur,
révérend Maurice Choisy, qui au cours de sa présidence a mis ses qualités et sa grande compétence au service du rayonnement de notre vacation. Pendant notre passage à la présidence du Clergé, nous mettrons l'accent sur trois points essentiels que nous tenterons de traiter d'une façon approfondie et qui engageront non seulement le fonctionnement de l'institution, mais aussi celui de notre mission. Premièrement, quand l'évangélisation devient synonyme de mission, deuxièmement, le fellowship ou le renforcement de la solidarité. Troisièmement, développement du clergé haïtien de Philadelphie. Chers amis, le clergé doit apporter de grandes contributions à la communauté chrétienne, mais qu'il le fasse avec efficacité. Il faut précisément que le clergé soit un modèle aux yeux de l'Église, que tout se passe avec transparence, sans hypocrisie entre pasteurs. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, le clergé haïtien de Philadelphie a besoin d'une dignité à tous les frères pour édifier ou, si vous voulez, une stabilité sans laquelle l'Église chrétienne haïtienne, dont nous sommes les représentants, ne pourra jamais être à la hauteur de sa mission. Je suis convaincu que cela est indispensable pour que nous puissions atteindre nos objectifs communs. Tout en respectant les intérêts de chaque pasteur, membre du clergé et particulier. C'est pourquoi nous ne devons laisser aucune place à l'indifférence, à la haine, à la rancœur, car au contraire, c'est précisément contre cela que nous luttons avec une détermination et un amour inébranlable. Le clergé haïtien doit être la plus importante institution chrétienne de notre communauté. Amen. L'Église perd sa saveur. Comment la lui rendra-t-on? L'Église n'est plus modèle. Les pasteurs qui seraient dévergés ne veulent pas s'entendre entre eux. Comment nous allons prêcher l'unité dans nos églises? Influence les membres de nos églises. Quelqu'un disait, je cite, aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et à Jésus d'ajouter, Jean 13, verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour et de l'amour. Nous avons besoin tous, les uns les autres. Et notre clergé ne peut pas exister sans donner sa place à chacun d'entre nous. La vie malmène quelquefois, nous rencontrons des situations imprévues qui nous donnent l'impression d'être seuls et abandonnés face à l'adversité. C'est dans ces moments douloureux que nous devons nous soutenir les uns les autres avec encore plus de vigueur. Nous devons cesser de nier la réalité dans nos églises. Nous devons commencer avec sérieux et responsabilité à appeler les choses par le nom et à aborder les problèmes avec la plus grande franchise pour lutter avec efficacité. Bishop, docteur, pasteur et tous les membres, entendons-nous et donnons-nous une chance à l'Église qui a si grand besoin. Je ne vais pas et ne dois pas terminer sans féliciter le vice-président, révérend Wilmer Charles, qui, a bien voulu m'accompagner dans cette tâche. Je vais lui exprimer mes félicitations
les plus sincères d'ores et déjà. Je vais l'assurer que son poste ne sera pas purement décoratif ou protocolaire. Nous avons beaucoup de travail devant nous et je compte bien partager la responsabilité avec lui. Je veillerai à ce que lui et moi, tous les autres membres de mon cabinet, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse.